Bonjour à toi, chers spectateurs. Aujourd'hui, parlons du tout nouveau testament de Jaco van Dormael. L'histoire, c'est celle de Ea, la fille de Dieu, qui habite avec celui-ci et sa femme dans un appartement miteux à Bruxelles. Et ça, c'est le paradis. Et en fait, elle en a marre que son père fasse n'importe quoi avec la terre et avec les hommes, puisque c'est ce qu'il fait toute la journée, il crée des lois débiles de l'emmerdement universel. Et donc, elle en a marre, elle va foutre son ordinateur en l'air et balancer toutes les dates de mort à tout le monde. Et va descendre sur Terre pour trouver 6 apôtres afin de compléter les 18 apôtres de son frère, parce que 18, c'est le nombre de joueurs d'une équipe de baseball. C'est tout l'intérêt du film, c'est-à-dire que très peu de choses a de logique, très peu de choses a, on va dire, de réalisme, et encore moins a de sens, tout simplement. Jaco van Dormael, c'est un cinéaste belge qui a une inventivité absolument folle. Son dernier film, Mr. Nobody, avait divisé, mais avait mis tout le monde d'accord sur le fait que c'était vraiment un pitch et une manière de faire qui était particulièrement inventive. C'était l'idée d'un homme qui racontait sa vie, mais qui la racontait en fonction des chemins qu'il aurait pris. Et donc on ne savait pas vraiment ce qu'il avait vécu comme vie. C'était passionnant, c'était une réflexion particulièrement philosophique sur les choix et sur la manière dont on conçoit sa vie. Là, pour le coup, avec le tout nouveau testament, c'est un petit peu plus léger, c'est plus drôle, surtout, mais ça reste sur des thématiques très philosophiques, des thématiques très réflexives, et surtout des thématiques toujours humanistes, parce que c'est ce qui intéresse Jaco van Dormael, c'est de parler de l'humain, et de parler de ce qu'on recherche dans la vie, et parfois ce qu'on recherche, c'est pas forcément à devenir quelqu'un de très connu, ou à avoir une reconnaissance, ou quoi que ce soit, c'est plutôt, on va dire, de se fondre dans la masse, par sa marginalité. Parce que là, ce qui est intéressant, c'est que le personnage de Ea, qui est donc la fille de Dieu, descend sur Terre parce qu'elle préfère être sur Terre que être au paradis. Et en soi, elle préfère donc être humaine plutôt qu'être divine. Toujours l'humain est au centre du film de van Dormael. C'est passionnant de ce point de vue-là, parce qu'en plus, résultat, l'intérêt qu'elle porte au genre humain, au-delà de chercher 6 apôtres, c'est donc les petites choses de la vie, c'est-à-dire que chaque être humain qu'elle va rencontrer et qui est supposé devenir un apôtre, et donc qui va faire l'objet d'un évangile au fur et à mesure que le film va se découper, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, elles se sentent sur un trait de leur personnalité qui les caractérise au milieu de la masse que nous sommes. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ces personnages-là, on en a un, il est obsédé, on en a un autre, il a envie d'être un assassin, on en a une autre, elle manque d'amour, et donc résultat, elle va trouver l'amour au travers d'un gorille. Voilà, c'est des petites idées comme ça qui sont dessinées tout au long d'un scénario écrit donc par Thomas Gunzig et Jaco van Dormael. Ce scénario, sur le papier, il est très simple au niveau de la structure. Parce que ce qui faisait très peur sur le film, et étrangement ce qui pourtant attirait beaucoup de monde en salle, c'était que le pitch du film c'était « Dieu existe et il habite à Bruxelles ». Ce n'est que la surface du film, puisque donc comme dit dans le résumé, on ne suit pas le point de vue de Dieu, on suit le point de vue de Ea, donc la fille de Dieu. Et à mon avis, ça risque de perturber pas mal de monde quand ils vont rentrer dans le film et qu'ils vont se rendre compte qu'on ne suit pas vraiment Dieu, c'est que il n'y a pas forcément, on va dire, de politiquement incorrect quant à la place de Dieu. C'est un peu ça qui perturbe pas mal de monde. C'est-à-dire que le principe, ça n'est pas de nous montrer que Dieu existe et il habite à Bruxelles et c'est un être humain comme les autres. Ce qui là est politiquement incorrect. Ce qui est politiquement incorrect dans le film, c'est de montrer un Dieu qui est un connard, qui se comporte comme un salaud, qui abuse de l'humanité et de ses traits, et qui fait en sorte de nous tourner en ridicule. Là, on est dans du politiquement incorrect. Là, on est dans un non-respect de l'image de Dieu qu'on devrait avoir, et là, c'est intéressant. Et au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est de montrer que Dieu, la seule chose qui l'intéresse, quand il descend sur Terre, c'est juste de retrouver sa fille et pas de comprendre la misère du monde. Et ça amène à plein de gars qui sont très très bien écrits de la part de Gunzig et van Dormael. C'est très intéressant de ce point de vue-là. Au-delà de ça, ce qui passionne, on va dire, au niveau de l'écriture, c'est simplement l'idée de philosophie qui se dégage tout au long du film. C'est-à-dire que ça n'est pas une philosophie, on va dire, ultra poussée. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une philosophie du quotidien, c'est une philosophie qui remet en cause les traits de l'humain. Et ça, de ce point de vue-là, c'est particulièrement fin. Ça passe par de l'absurde, mais ça passe toujours de manière logique. Par exemple, une femme qui n'arrive pas à trouver l'amour au travers de son mari qui se comporte comme un gorille, comme on dirait l'expression, elle va le trouver grâce à un gorille qui lui porte de l'affection. Un petit garçon qui sait qu'il a plus que 54 jours à vivre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas demander un vœu extraordinaire, il veut simplement être une fille pour savoir ce que c'est que d'être une fille. C'est des petites idées comme ça qui sont distillées, tout comme par exemple, il y a une réflexion qui est très intelligente autour du personnage de l'assassin, c'est-à-dire que lui, il se considère comme un assassin, mais là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que vu que chacun a eu sa date de mort et qu'elle est définitive, étrangement, il sait que s'il tue quelqu'un, c'est la main de Dieu, comme il le dit.
ou c'est le destin? Niveau réflexion, là, c'est pas possible de pousser plus loin. C'est super intelligent de ce point de vue-là. Et après, ouais, ce qui peut déranger, c'est peut-être qu'on prenne le point de vue d'un enfant, mais ça apporte de la tendresse, ça apporte de l'innocence au regard que porte la jeune fille. C'est très intéressant parce qu'une innocence divine, qui est le point central du film, encore une fois, c'est une réflexion, c'est une manière de penser le film, c'est une manière de concevoir la réflexion philosophique qui se dégage de Vandermael et Gunzig. C'est très intelligent de ce point de vue-là. Au niveau de la mise en scène, alors Jacob Vandermael, c'est quelqu'un qui aime l'absurde, ou en tout cas qui aime mettre en scène des choses absurdes ou fantastiques. Là, pour le coup, on est typiquement là-dedans. C'est fait de manière un petit peu trop classique, mais dans un sens, ça pousse, on va dire, plus loin la réflexion. C'est-à-dire que le découpage en chapitrage, c'est ultra surfait. Mais là, l'idée, c'est que ce sont des évangiles. Il y a un exode, etc. C'est une manière de découper le récit comme la Bible. C'est très intéressant. Ça reste un petit peu trop fixé sur sa forme, mais dans la mise en scène de Vandermael, il y a toujours cette idée-là que le spectateur va toujours être mis au premier plan dans tout ce qui va se passer. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois que les personnages vont savoir la date de leur mort, quand ce sont des personnes qui vont être des apôtres, le cadre se fixe, les personnages sont d'un côté ou de l'autre de la caméra, et il y a leur timecode, avec le nombre de jours qui reste à vivre. Et tout doucement, les acteurs vont se retourner vers nous et nous regarder pendant quelques secondes. Tout simplement pour nous faire réfléchir sur ce qui est en train de se passer. C'est très fin de la part de Vandermael parce que ça pousse l'idée de réflexion encore plus loin. Et après, dans le côté fantastique, ce qui est assez hallucinant, c'est par exemple le tout début où on voit Dieu qui sait pas comment peupler la Terre et qui met des poules, qui met des girafes, qui met des hippopotames, qui met des éléphants sur Terre et qui se rend compte qu'il y a un truc qui cloche, que ça marche pas et que la Terre ne peut pas évoluer comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que notamment à un moment, dans un cinéma, il y a des poules qui regardent un film. C'est complètement fantastique, c'est complètement halluciné, mais ça marche super bien. Et puis juste après, voilà, l'idée intéressante de Vandermael, c'est de relier tout de suite son film au cinéma, notamment par le biais de cette séquence qui se passe dans un cinéma, et ensuite, l'une des premières choses que l'homme va découvrir, c'est le cinéma, l'image animée, ce que nous sommes en train de regarder. Ça peut être conçu comme de la branlette intellectuelle, mais c'est tout de même assez intelligent de la part de Vandermael de pousser ça. Au niveau du casting, alors, la vraie surprise de ce film, c'est pas forcément Poulvord, qui lui a plus grand chose à prouver et est très bon dans le film, ça c'est indéniable. La vraie surprise de film, c'est une jeune actrice qui s'appelle Pili Groin, qui campe donc le personnage de Ea. Cette jeune actrice est particulièrement douée. Elle est superbe, elle est très simple, mais elle est très inventive dans le film, et elle pousse des petites idées très très loin, et elle arrive à beaucoup toucher le spectateur avec énormément de tendresse. Et ça, de ce point de vue-là, c'est vraiment marquant. Benoît Poulvord et Yolande Moreau dans le dos de Dieu et de sa déesse, très intelligent, superbe, Yolande Moreau, vraiment drôle. Toutes les séquences où elle joue, elles sont à mourir de rire. Il y a énormément de réflexions là-dessus. Et au niveau des apôtres, on a beaucoup d'acteurs qui sont vraiment excellents. François Damiens, Serge Larivière, Laura Verlinden, Didier Denec. Tous ces acteurs-là sont vraiment excellents. Ils sont vraiment très très bons. Il n'y a rien à redire, le casting, c'est vraiment un sans faute là, de la part de Vandermael. Il a vraiment poussé le casting le plus loin possible et c'est un sans faute. Donc voilà, le tout nouveau testament de Jaco Vandermael, c'est un joli film, très simple, qui ne se limite pas qu'à son pitch, et rien qu'en ça, c'est très intelligent de la part du réalisateur belge. Après, c'est un film qui est un petit peu classique et qui a des redondances, mais ça ne choque pas trop, ça ne dérange pas, et ça n'empêche pas le film d'être drôle, vraiment drôle, et d'avoir des réflexions qui sont très intelligentes. Donc ouais, le tout nouveau testament de Jaco Vandermael, allez le voir, vous allez vous payer une bonne tranche de rire, et puis c'est un film qui pose plein de questions, donc ouais, foncez-y. À plus.